Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour une nouvelle vidéo, un nouveau Dog News autour de The Last of Us Partie 2 pour enfin de bonnes nouvelles. Avant d'attaquer la vidéo, deux petites choses. On vous rappelle que notre documentaire The Last of Us Partie 2, le récit d'un jeu maudit, qui a été extrêmement bien reçu de votre part, est toujours disponible en accès complètement libre. Donc ceux qui n'ont pas encore vu, tous les gros soucis qu'il y a eu autour du développement et pourquoi The Last of Us est réellement un jeu maudit, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dans la description, vous retrouverez le lien et on attend avec impatience vos retours. Deuxième petite chose, on vous rappelle que notre concours pour gagner The Last of Us Partie 2 dès sa sortie est toujours d'actualité sur nos réseaux sociaux. Et cela tombe bien puisque ça y est, nous disposons enfin de la date officielle de sortie du jeu. Prévu pour le 20 février, puis le 29 mai, The Last of Us Partie 2 a été repoussé à une date inconnue. Hélas, suite aux nombreux leaks et aux nombreux soucis qu'il y a eu autour du jeu ces derniers jours, Naughty Dog et PlayStation ont trouvé une solution alternative et The Last of Us Partie 2 arrivera finalement le vendredi 19 juin 2020. Alors, on vous demande vraiment d'être respectueux envers les gens de la communauté et envers vous-même. Et s'il vous plaît, évitez de répandre les leaks et de répandre toutes les informations qu'il y a eu autour du jeu. Cela fait 5 ans que nous attendons impatiemment ce jeu. Ce n'est vraiment pas le moment de nous faire spoiler. Ce n'est pas le moment de parler de cela. C'est pour ça que sur Naughty Dog Mag, nous n'avons absolument pas parler de cela. On sait que la séquence de la guitare avait un peu déçu certains de nos abonnés qui considéraient comme du spoil, donc on s'en excuse, nous avons retiré la vidéo et nous n'allons plus parler des moindres leaks et des moindres spoils. Alors veuillez respecter la communauté, veuillez ne pas spoiler les autres joueurs qui attendent impatiemment ce jeu. Deuxième information, c'est le poids du jeu qui a été officialisé puisque The Last of Us Partie 2 va peser plus de 100 gigas. Donc autant vous dire qu'il va falloir faire de la place sur votre PS4 et c'est officiel, le jeu tiendra bien en deux Blu-ray. Donc il va falloir vraiment se contenter de faire de la place sur nos consoles et se dire que le jeu risque d'être assez énorme. Voilà pour les petites informations nécessaires et essentielles autour de The Last of Us Partie 2 de ces derniers jours. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez des questions, même si on vous l'avoue qu'on est un peu éloigné des commentaires, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube justement, pour éviter les possibles leaks et les possibles spoilers. Donc désolé si on met du temps à répondre. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Dog News. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag. Salut à tous!